Salut Internet, c'est Kamoff. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de... Je te frappe. Oui, parce que j'en ai marre. Pourquoi? Parce que t'es toujours dans mes vidéos, il y en a plein les couilles. Non, tu ne t'approches pas de moi. Attends. Non. Voilà, les amis, vous l'avez compris, je suis en compagnie de mon grand, de mon beau, de mon fort. Oh. Mikalash. attends, ça va trop loin là, c'est pas sur YouTube, on va finir sur d'autres plateformes là. Bon, écoutez les amis, aujourd'hui on est en forme. On est en forme, on est chaud, je vais vous expliquer. Vas-y, explique-leur, la cœur de l'envoi qui se verra maintenant. C'est bonjour, Jake. Je vous explique, on rigole, mais c'est pas trop rigolo ce qui nous est arrivé. J'ai reçu un message sur Instagram il y a pas longtemps d'un homme mystérieux, d'accord. Elle me dit qu'elle a les résultats du loto en avance. La personne me contacte et me dit je vois que vous avez pas mal de monde sur Instagram, etc. Moi, si vous voulez, j'ai les numéros du loto en avance. Je sais les numéros qui vont sortir à l'euro million et je peux vous les vendre et vous, vous serez millionnaire. Bon, ce qu'on a fait, c'est que cette personne veut qu'on la rencontre pour lui donner l'argent en liquide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on lui a donné rendez-vous avec mon ami Mikalash. Parce que Mikalash, il a envie de devenir millionnaire aussi. Je vais direct acheter le Porsche Cayenne, moi. Eh ben oui. Bah oui. Bah j'ai hâte qu'il arrive. Bon, bien entendu, on sait que c'est une arnaque parce que personne ne peut avoir les numéros du loto en avance. Bah non, à part moi. À part Mika. À part moi. Donc si vous voulez, vous allez sur son Instagram. Voilà. Et il vous donnera les numéros du loto. Non, je les donnerai pas. Ah, tu les donnes pas? Alors n'allez pas le rajouter. Voilà. Mais on va donner rendez-vous à cette personne et elle va venir d'ici une heure. On va s'amuser un peu à le rendre fou avec Mika. Vous avez beaucoup aimé notre duo. On va le couler contre le mur, on va lui mettre des crasses dans la tête comme ça. On va. Donne-moi ses cachets, s'il te plaît. Tiens, prends ton traitement, arrête de casser les. Tiens. Bon, traitement. Oui. Entier, arrête, triche pas. T'es traité ou pas? Non. Voilà, il fait des rejets de traitement. Qu'est-ce que je vous dis? Ah, j'en ai marre. Bon, les amis, vous l'avez compris, on se retrouve dans une heure. On a donné rendez-vous à cet escroc de. Et on va lui faire une petite sentence façon Kamoff et on va bien rigoler. Restez jusqu'au bout, vous allez voir ce qu'on va lui faire. Ça va être hyper drôle. A tout à l'heure et bon visionnage à tous. Bon les gars, on est au lieu de rendez-vous. On va l'appeler, on va voir où il est. J'espère qu'il va pas tarder parce que normalement il devrait être là dans 5 minutes. On l'appelle. Oui, vous allez venir ou pas? C'est le monsieur arrête, pour le... Arrête, bébé, arrête, pas dans le parc. Arrête. Oui, c'est ça, pour les numéros du loto. Dans 5 minutes? Continue. Mais qui là? Y'a qui à côté de vous là? Monsieur là, j'entends des bruits. Non, c'est rien, c'est la radio. Ok, d'accord, j'arrive dans 5 minutes. Allez, merci. Il y a un mec qui arrive, je crois que c'est lui. Ah ouais. Oh, il a déterminé. Ouais. Il a une démarche, il est déterminé le frérot. Je m'en fous le rêve, ça va frérot? Ça va, ça y est. Oh, on manque pas de, tu manques pas de respect à mon petit ami. On est ensemble, on est en couple. Oh là là! C'est vous le numéro du loto? C'est vous pour le numéro du loto? Ah, c'est lui! On s'est trompé! Ah, c'est lui! Excusez-nous! Non, je croyais que c'était un mec qui voulait nous racketter! Excusez-moi! Mais non, parce qu'en fait, on attend un mec. Pour un racketteur! Et ouais, c'est pour ça! Alors, c'est comme As, frère! Eh oui, c'est vrai, il a raison! Sur ça, il a raison! Viens, je t'en prie, viens! Comment ça se passe? Je vous donne 5000 euros, vous me donnez les numéros. C'est ça. Et moi, après, je les mets et c'est les numéros qui vont sortir. C'est ça. Donc, je peux miser ce que je veux, je gagnerai, c'est sûr. Si je mets 10 000 euros, ben, je vais gagner, c'est sûr. C'est ça. Et comment vous faites pour les avoir, ça, ces numéros? En gros, moi, je vous explique, moi, je travaille à la Française des Jeux. En gros. D'accord. C'est truqué. C'est truqué. Ah, d'accord. Non. Le loto, il est truqué? Tout. C'est-à-dire que tout le monde sait les numéros, enfin ceux qui travaillent là-bas. Ceux qui travaillent là-bas, en plus c'est un service spécial, moi où je travaille. Ouais. On désigne des numéros au hasard, c'est moi qui les désigne ces numéros. Et après, par exemple la présentatrice télé, elle est prévue de mettre ses numéros et après la machine, c'est truqué, tout est truqué. Donc vous savez les numéros qui sortent à l'avance, c'est sûr? C'est ça. Et vous travaillez depuis quand la Française des Jeux? 5 ans. Pourquoi tu l'as pas fait sur toi-même? Bah ouais, voilà, pourquoi vous avez pas vous joué le numéro? Parce que quand on gagne un gros lot, il y a du temps acheté. Ouais, et vous pouvez. Bah, je vous ai tout interdit. Au loto en fait. C'est ça, je suis interdit. J'ai appelé les pompiers, monsieur. Non, ça va. Donc si je comprends bien, vous pouvez pas jouer au loto. C'est ça. Votre famille non plus. C'est ça. Pour faire 4 euros en plus, vous vendez ces numéros-là à des gens au hasard, comme ça. D'accord. Et la marmotte, elle met le papier alu dans le chocolat ou le chocolat dans le papier alu? Non, la marmotte, elle mange le papier alu. Oui. Et après, elle jette le chocolat à la poubelle. J'ai allergique au mensonge, désolé. Tu peux appeler les pompiers comme la dernière fois? Massez-moi un peu le. Masse-le un peu. Voilà, merci. Appuie. Descendez un peu plus vers là, s'il vous plaît. Descends un peu, voilà. Encore un peu plus bas. Un peu. C'est quoi là cette histoire là? Je vous masse, je suis pas masseur, moi je suis pas venu pour vous masser. J'ai les billes, ils sont là.
Il y a 5000 euros en liquide. Vous me donnez le numéro avant ou après pour vous payer. Oui. Si tu commences à être infidèle avec moi, ça va pas le faire. Mais je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour que tu me trompes sous mes yeux. Ouais, ah ouais, ouais. Sous mes yeux. Et ouais. Toi, la dernière fois, quand j'ai pas entendu avec Karim au téléphone. Mais ça va, c'est Karim. Eh ouais, j'ai mis des micros dans la chambre. Eh ben, c'est Karim. Ah bébé, ça fait longtemps. Eh ben, c'est Karim. Eh, s'il vous plaît, de... Je l'ai connu. Eh, je t'explique, Karim, je le connais avant toi. J'ai toujours couché avec Karim. Ouais. Karim, c'est la famille. Donc toi, tu couches avec la famille. Et je couche. Oh, bah oui. Bon, moi, je vais y aller, monsieur. Arrête. Non, je vais te dire un truc. Non, attends, je vais lui dire. La dernière fois, il bandait même pas. Là, t'es en train de m'énerver. Là, t'es en train de m'énerver, tu vois. Si tu veux sortir les dossiers, la dernière fois, il bandait même pas. J'en sais, moi, je m'en fous s'il bande ou pas, moi. J'en ai rien à foutre. Je suis là, tu veux les. Vous les laissez. Oui, je veux les. Donne-moi le numéro du loto, on n'en parle plus, allez. Vas-y, on fait vite. Tu les as sur le téléphone ? C'est ça. Vas-y, donne-moi le numéro. 7. Alors, 7. 70. Vous êtes sûr, 70 ? Parce qu'il n'y a pas jusqu'à 70 le numéro du loto. Ok, bon, 70. C'est quoi, c'est un numéro surtaxé qui te donne? C'est le numéro du loto, frérot. Alors, 70, après? Ouais. C'est un brouteur ou c'est... Ouais. Et attendez, je n'ai pas le chiffre. Et... Combien? 33. Après, vous faire quoi? Faut appeler. Il faut que je fasse quoi? Bah, c'est bon, là, vous avez quoi? Avec ça. Là, vous avez le numéro. Et il n'y a pas de numéro chance? Oui, chance. C'est quoi, numéro chance? 9. 9? Tu vas t'acheter quoi? Avec ces millions d'euros, moi, je vais m'acheter beaucoup de choses. Je sais pas si je peux le dire devant lui et tout. Vas-y, tu peux. Tu... Je peux? Oui. T'as vu les packs d'eau et viande? Oui. C'est un peu cher et tout. Oui. Ça fait des années que j'en rêve et... T'as pas... Ouais, c'est vrai. Je vais prendre un pack d'eau. Il a une espèce de The North Face, il parle de Paris. Volé, il a volé. Oui, je l'ai volé. Il a volé. Il a volé. Il a volé. Non, me touchez pas. Vole pas des packs d'eau, ça se vole pas un pack d'eau. Il a vole. Un pack d'eau, comment tu voles un pack d'eau? Ça se voit, une veste North Face, ça se voit pas, tu la mets sur toi. Pff, tout le monde croit que c'est la tienne. Mais au magasin, ça sonne. Non, parce que lui, il la vole sur les gens, quand elles sont déjà sur les gens. Oui, il va pas la voler en magasin, réfléchissez. On touche les millions, oui. Et après, on te donne l'argent. Pourquoi? T'as raison! Tu as raison, on va faire un truc. Mais putain, bien sûr que j'ai raison! Mais j'ai toujours raison! À chaque fois, je me contredis. La dernière fois, tu me dis, ouais, je veux aller devant. Et finalement, tu voulais aller derrière. Et après, tu me dis, non, ça fait mal. Ça avait raison. Il va parler un peu pour toi, après ça va. Il est pas schizophrène, il a des petits problèmes mentaux. Des fois, il les prend pas, des fois, il en prend trop. C'est aléatoire. Viens, je t'explique. Viens. C'est mon petit copain, j'ai connu, il était plus jeune et il a des troubles mentaux à la suite d'un préservatif troué, enfin bref. Si on prend le truc, on joue, on gagne, parce que c'est les numéros, c'est sûr. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer les numéros, quand on gagne, je t'appelle et je te paye. Ouais, ça marche pas comme ça. Comment? Pourquoi ça marche pas comme ça? Bah si je paye pas maintenant, bah ça va aller loin. J'ai une équipe derrière moi. Ah. Mais attends, je regarde derrière toi. Mais non, tu me dis que j'ai une équipe derrière toi. Enfin. Là, si tu donnes pas les sous, tu m'en viens derrière. Ah ouais? Ouais. Du coup, t'as pas une équipe derrière toi? T'as une équipe devant toi, sur ta gauche, c'est ça? Voilà. Ok. Mais en plus, t'as donné les bons numéros, ça veut dire que tu me gardes toujours en contact. Imagine... C'est bon, on fait comme ça. Imagine, si j'ai un problème, c'est bon, c'est bon. Tu m'appelles et je te rembourse. Mika, t'es calmé? Oui. Promis? Oui. Pardon, excuse-moi. Moi, ça va, c'est bon. Il faut le payer là. Il te plaît ou pas? Bah il a une tête de... Il est fini d'un côté puis il est en cours de téléchargement de l'autre. Il est sous Windows Vista encore on dirait. Moi je dirais Windows XP mais ouais si tu veux. Ouais bon allez c'est bon, tu payes et après je me casse. Bon, mon ami, regarde, je t'inquiète, je vais pas te faire... Non, ça arrête. Mais t'es pas peur, j'ai pas peur. Les numéros du loto, on va pas les jouer. Ah ok, parce que tu veux. Tu sais pourquoi on va pas les jouer? Parce qu'on sait que c'est complètement bidon. On sait qu'en fait t'es un escroc et qui essaie de voler 5000 euros à des gens. Donc maintenant ce qu'on va faire, mon ami, c'est que on va te dénoncer. J'ai ton numéro de téléphone. Dénoncer à qui? À la police. Mais je t'ai dit que c'est les vrais numéros alors. Si tu as envie de jouer ou pas, c'est pas mon problème. Maintenant je t'ai donné le numéro, faut que tu me payes. J'ai dit frérot, si tu payes pas, il y a une équipe là-bas. Eh ben. Appelle-les. Ça va, mais je vais les appeler. Non. Appelle-les avec le téléphone. Tu vas pas partir. Non, tu vas pas nous faire le coup de je m'en vais, je reviens pas. Appelle avec le téléphone, vas-y. Parce que c'est le numéro, je peux pas savoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Dis-moi, explique-moi. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je vais appeler mon équipe. Allez, vas-y, appelle. Pendant que tu appelles ton équipe, c'est ce qu'on va faire? Nous, on va appeler la nôtre. Ça, c'est la police. C'est la police, mais tu... Eh, oh. Alors qu'est-ce qu'on fait? Demain, je devine. Si tu appelles ton équipe, j'appelle la mienne. Si j'appelle la mienne, tu vas finir en garde à vue et peut-être en prison parce que tu escroques des gens. Tu
Tu vois. Je vais te dire, donc tu vois, si je vais porter plainte, tu rentres en prison. Donc qu'est-ce qu'on fait alors? Alors qu'est-ce qu'on fait? Tu nous avoues que c'est faux, tu nous avoues que c'est pas faux? Qu'est-ce qu'on fait? Oui, sauf que t'as été filmé. Eh ouais, ça c'est le détail qu'on a oublié de te dire. C'est vrai, Mika, t'as oublié de lui dire ça. Ah, on lui a pas dit. On lui a pas dit qu'il était filmé, le frérot. Non. Regarde, elle est juste là. Ah, il est trop content. Non, regarde, elle est juste là, la caméra. Regarde. Non, c'est vrai. Ça s'appelle une caméra cachée. Parce qu'on est dans mon trou, allez, qu'avec mon trou de je chie, c'est une caméra cachée. Le dé, s'il te plaît. Regarde. Ah ouais, mais tu sais, tu cours. Je vais t'expliquer un truc, mon ami. Si tu cours maintenant qu'on a ton visage, ça sert à rien de courir parce qu'on va aller aux images avec ce qu'on a au commissariat avec. Attends. Mais ça va. Non, mais il est pas fou. Juste homosexuel. Bon. Voilà. On va au commissariat ou tu viens avec nous? Ça va, tu as envie de vous faire. Oui, mais ça, il va te lâcher, mais après. Ok, Mika, tu peux le faire. Un poids, s'il te plaît, mon ami. Non. Tu me suis. Tu me l'as pas. Suis. Pas qu'il me suit, ce qu'on va faire les amis, c'est que là c'est n'importe quoi cette vidéo. Comme il veut pas le commissariat, tu vas venir avec nous et quand il va. Ah, régler nos. Tu me laisses parler pour la vidéo s'il te plaît. Parce qu'à chaque fois. Laisse-le parler. Donc ce qu'on va faire, c'est que il va venir avec nous parce qu'il veut pas aller au commissariat. Et quand tu vas venir avec nous, on va y faire la petite sentence quand même. Donc on va faire tout ça. Tu poseras des questions après. Et puis, on se retrouve après pour la petite sentence avec Mikalash et notre ami de la Française des Jeux. Alors, je t'explique. Pour une fois, on va préparer la sentence et on va la montrer à tout le monde. Mets tes mains comme ça. Donc là, on te met une assiette. Dans cette assiette, je vais te mettre des aliments. Donc on va te mettre du poids sur tes poignets. Le but, ça va être de tenir 5 minutes. Si tu tiens 5 minutes, il n'y aura aucun problème. Tu repartiras, on n'ira pas voir la police. Si tu ne tiens pas, on ira voir la police, ok? Ça a l'air plutôt simple. Tiens, regarde, on va mettre ce poids-là. Donc, c'est un peu lourd. Mais relève-toi. C'est un homme, il n'y a même pas 5 kilos. Allez. D'accord. Mets-toi les bras un peu plus en avant. Et si tu tiens 5 minutes avec la nourriture ici, tiens, comme ça, tu sais quoi, ça évitera du travail pour le floutage. Le monteur, au moins, il sera content. Ouais, t'es réel. Ah, là, il est fini. Voilà. Là, il est fini. Là, t'es beau, là. Tiens, comme ça. Là, t'es fini. Non, ça arrête! C'était jusqu'à maintenant. T'es prêt? 5 minutes! 3, 2, 1, allez! Let's go! Et 5 minutes, mon pote! Allez, tiens! 5 minutes! 5 minutes, mon pote! 5 minutes! 5 minutes, mon pote! Allez, t'es prêt! 5 minutes! Plus de 6 minutes, allez! 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 Ça va, ça tient? Force, relève les bras. Allez, relève les bras. Lève la tête, ça sera plus facile. Lève les bras là-bas. Allez, attention. Attention. Mets tes bras droits. Allez. Allez, vas-y. C'est bon. 1, 2, fini. Ah frérot, qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas tenu frérot. T'as envoyé toute la sauce. Tu vois la tête? Ça va? Non, rien fait, ça c'est... Eh, je sais pas frère, t'as plus de force. Tiens, tu veux un peu de ketchup frérot? Tiens. Cours dans le bouc! Cours! Ah, quelle vidéo. Même comme l'écho, comme la colline à deux yeux. Quelle vidéo incroyable. Non, je crois que tu prends un peu trop le rôle au sérieux, toi, c'est vrai. Bon, les amis, on finit cette vidéo avec notre ami Mikalash. J'espère que cette vous a plu. Pour moi, elle était incroyable. On a vraiment bien rigolé. Et si nous, on rigole, on sait que vous allez rigoler aussi. Ouais, on le rigole. Le frérot, ah, t'as un petit peu de. Ben, j'ai été précoce tout à l'heure encore. Oh, je t'ai déjà dit d'arrêter de tâcher mes vêtements à chaque fois, frère. Ouais. En plus, c'est un North Face que t'as volé, celle-là. Oh. Désolé, frérot. Bah, écoute, bon. Bah, je me vengerai, hein. Pas sur YouTube, mais du coup. Bref les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre le frérot Mikalash sur sa chaîne YouTube. Il y a aussi des vidéos avec moi sur sa chaîne. On sort une vidéo par mois sur les deux chaînes. Donc ça fait deux vidéos de nous sur nos chaînes respectives. Donc allez-y, la chaîne s'affiche en dessous, Mikalash, et elle est aussi en description. Pour ma part, on se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. Et faites attention à vous, il y a beaucoup d'escrocs sur internet. Ne faites pas confiance à n'importe qui. Et un mec a les numéros du loto, bien entendu, que c'est impossible. Et je vais même vous dire mieux, ne jouez pas au loto, c'est d'argent jeté par les fenêtres. C'est ça, exactement. Gros bisous à tous les gars, ne tombez pas dans le vice du jeu. On se retrouve mercredi prochain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si celle-là vous a plu. Et à très très vite, faites attention à vous. Ciao, ciao.